Allô, 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 la maison Facebook, est-ce que vous êtes là? En tout cas, moi j'y suis, partager un petit moment avec vous. Alors, on va faire. C'est vrai qu'à force, le répertoire, j'en ai pas mal d'autres, mais bon, il y en a que je préférais pas forcément mettre sur le direct. Et puis, c'était l'idée du jour, donc de vous faire demander aux 5 premiers qui me demandaient une chanson d'en faire quelques-unes, soit de mon répertoire, soit d'autres. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, j'avais essayé de m'approcher un peu. Donc j'en ai choisi, vous en avez choisi 5, et puis j'essaierai d'aller faire un petit clin d'œil justement pour voir pour demain celle que je choisirai. Donc pareil, voilà. Demain on fera différemment, on fera faire un petit concours, je mettrai quelques titres sur Facebook et ce sera celle qui aura le plus de j'aime que j'interpréterai. Donc sauf celle-ci évidemment, on va pas les refaire 10 fois. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Tiens, et je finirai ce petit set avec un morceau instrumental, ça changera un peu. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ah non, non, j'ai pas commencé. Bon, alors la première que j'ai choisie, que vous avez choisie, c'est une chanson de Monsieur Jean Ferrat, qui s'intitule Que serais-je sans. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines. Et j'y veux désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme aux passants qui chantent, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi? Qui vins à ma rencontre, que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant, que cette heure arrêtée, cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement, j'ai tout appris de toi, pour ce qui me concerne. Fait jour à midi qu'un ciel peut être bleu, que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi? Vins à ma rencontre. Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes? N'est-ce pas un sanglot que la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre? Que serais-je sans toi, que ce balbutiement? Voilà une merveilleuse, merveilleuse chanson. Que n'aurais-je donné pour l'avoir écrite?
Enfin, c'est déjà bien qu'elle existe. Ça me donne toujours le plaisir de l'interpréter. Alors, au top 2 dans celle qu'on m'a demandé, Rue du Moulin d'Étienne. Rue du Moulin d'Étienne, je vois à travers mes persiennes jouer des gosses à la marelle, surveillés par des femmes encore très belles. Eh bien, qu'à cela ne tienne, quand on voit les fleurs, on voit les crènes. Elles courent partout en ribambelle, sur les pelouses, en aquarelle. Passe le temps, jouent les enfants au fil d'une mélodie, d'un accord qui te sourit. T'en fais pas, mon petit bonhomme, on se reverra samedi, samedi. Rue du Moulin d'Étienne, je guette jusqu'à ce que la nuit vienne, que les petits gosses rentrent chez eux, tout crotté mais plein d'éclat dans les yeux. Et moi derrière mes fenêtres, j'écris des tas de mots et de lettres, des chansons pour le bien-être, qui le seront un jour peut-être, un jour peut-être. Passe le temps, joue les enfants, au fil d'une mélodie, d'un accord qui te sourit. T'en fais pas, mon petit bonhomme, on se reverra samedi, samedi. Rue du Moulin d'Étienne, les mélodies qui sont les miennes seront couvertes par la télé. On sentira les frites à plein nez. Passe le temps, joue les enfants au fil d'une mélodie, d'un accord qui te sourit. T'en fais pas, mon petit bonhomme, on se reverra samedi, samedi. Voilà pour Rue du Moulin d'Étienne. Alors, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur la page de Sandra Lecouteur, qui m'a fait l'immense privilège de prendre cette chanson pour l'interpréter avec ses musiciens. Et il y a encore une version totalement différente, elle s'est appropriée. Et c'est un immense plaisir que de l'entendre chanter, et surtout un grand bonheur. Merci Sandra Lecouteur. Qu'est-ce que j'avais prévu après? Bah oui, ce que je vous donne. Alors, tada. Je regarde derrière le téléphone si vous y êtes. Alors, je vois pas tous les prénoms si je commence. Alors, Pilar, Alain Vitier, Josie, Franny, et d'autres encore. Ça s'affiche au fur et à mesure. Donc je vois Maryse de la Drôme, un petit coucou donc aux Belges, s'il y en a, aux Suisses, aux Québécois, aux Acadiens, et puis à tous mes amis français, les régions françaises qui sont présentes à ce rendez-vous. Je suis toujours ravi de vous retrouver. Allez, ce que je vous donne. C'est comme des images dans la tête, qui se bousculent et qui s'envolent, comme des histoires sans parole. J'ai besoin d'elle pour faire la fête. Je ferme les yeux et je décolle. Pas facile de changer de rôle. C'est
C'est comme une flamme sans chaleur qui passe et qui parle à mon cœur, qui me touche et puis qui m'effleure et qui efface mes douleurs en couleur. Et qui efface mes douleurs en couleur. Mais je ne dois rien à personne sur tout ce que je vous donne. Et c'est comme un morceau de cœur qui dort à l'intérieur. C'est comme un morceau de cœur que je sors de l'intérieur. Comme une blessure d'enfance, un souvenir, une drôle d'errance, juste un refrain en forme d'absence, des mots et des phrases en souffrance. Pour exprimer mes différences, c'est juste pour saisir ma chance. Je ne peux pas vivre en chien de faïence, à la merci d'une défaillance, dans ce monde d'intolérance, déchirure se fait en silence. Déchirure qui se fait en silence. Mais je ne dois rien à personne sur tout ce que je vous donne. Et c'est comme un morceau de cœur qui dort à l'intérieur. C'est comme un morceau de cœur que je sors de l'intérieur. J'ai peur du vide autour de moi, peur de la vie de mes faux pas, peur qu'on décide à travers moi, et même la nuit j'en pleure, peut-être faut pas. C'est comme une flamme sans chaleur qui passe et qui parle à mon cœur, qui me touche et puis qui m'effleure, et qui efface mes douleurs en couleur, et qui efface mes douleur en couleur. Mais je ne dois rien à personne sur tout ce que je vous donne. Et c'est comme un morceau de cœur qui dort à l'intérieur. Et c'est comme un morceau de cœur que je sors de l'intérieur. Et je ne dois rien à personne sur tout ce que je vous donne. Et c'est comme un morceau de cœur sort de l'intérieur. C'est comme un morceau de cœur que sort de l'intérieur. Et voilà pour ce que je vous donne. Alors la prochaine, ça c'est un très 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 vieux titre. Je sais que c'est pas l'heure pour certains. Moi, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure pour nous, pour les braves. Nous, c'est pas l'apéro, c'est le café. Ça va le son ? Hop, hop, hop. Oui, ça défile pas. Café noir sur la table, servi par une serveuse affable. Et toi, tu es là, la tête dans les nuages. Tu voudrais bien essayer d'écrire des images, des voyages. Mais il n'y a que l'écho du jukebox qui te répond un petit peu comme une intox. Tu mets une pièce et une voix te répond. En réalité, c'est juste une illusion. Toi, de foncer, de coffee, coffee, coffee blue. C'est celui que tu bois quand tu es mal dans ta peau, quand tu es mal dans ta vie, quand tu es mal dans ta tête, quand tu as le blues. Quand tu as le blues du coffee, coffee, hein. Coffee blues, coffee blues.
pire, c'est ta cigarette, une bouffée poison. Ce cancer qui te ronge viril par dérision. Et toi, tu es là, la tête dans la fumée. Tu imprimes des idées sur du papier, papier à rouler. Finalement, tu es la seule perdue dans la foule. Un piéton triste parmi des voitures qui roulent. Au milieu d'un bistrot, la musique te saoule. Si le dépôt m'est attardé, qui d'un regard tout fouillé te viole. C'est le coffee blue. C'est celui que tu bois quand t'es mal dans ta peau, quand t'es mal dans ta vie, quand t'es mal dans ta tête, quand tu as le blues. Quand tu as le blues, bluesy, coffee, hein. Coffee blues. Tu voudrais bien sortir dans la rue t'oxygéner. Cette bouffée d'air pur qui te manque et t'étouffe. Mais la porte s'entrouvre pour laisser pénétrer toute une mascarade de gens qui s'engouffrent. Laissez souffle. Sourire qui pleure, des mégots écrasés, atmosphère chargée, tu te laisses enivrer. Mais tu sais que ta place est ailleurs, meilleure. Oui, tu n'oses pas partir, c'est peut-être la peur du coffee blues. C'est celui que tu bois quand t'es mal dans ta peau, quand t'es mal dans ta vie, quand t'es mal dans ta tête, quand t'es blues, quand t'es blues de bluesy. Coffee blue, bye 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 bye. Coffee blue, oh bye bye. Coffee blues, coffee blue. Un café noir sur la table, servi par une serveuse affable. Mais il n'y a que l'écho du jukebox qui te répond un petit peu comme une intox. Comme un intox. Et voilà, c'est le chevelu blues. Bon, à la demande générale et caporal et amiral de certains et de certaines, une chanson qui est donc extraite de mon deuxième album, Contes à rebours, et qui se nomme. Quelle est là? Attention. Quelle est la route? Qui peut nous dire, nous guider, pour se construire, se chercher, dans ce dédale universel? Où l'on se débat de plus belle. T'as beau savoir que la roue tourne, t'as beau savoir que tu es dans un plan, t'aimerais savoir ce qu'il en retourne. Porte ton aiguille sur le cadran. Tu ne ménages pas tes peines, mais tout est inscrit dans tes gènes. Pas le seul dans ce cas-là, et tu avances grâce à tes faux pas. Quelle est la route? Montrez-moi le chemin. Y a que des doutes tout au bout de mes mains. Combien ça coûte pour le mode d'emploi? Je n'y vois goutte. Bien mon destin. Un jour tu en prends plein la tête, le lendemain c'est l'embellie. À corps perdu tu fais la fête, tu bois le vin jusqu'à la lie. Alors tu lèves le poing au ciel, comme si quelqu'un pouvait t'entendre.
Et le silence est éternel. Ce qui te manque n'est pas à vendre. Nos va-et-vient sont des églises qui s'imaginent vivre à genoux. Et c'est alors qu'on réalise que cette vie-là est à nous, rien qu'à nous. Et quelle est la route? Montrez-moi le chemin. Y'a que des doutes tout au bout de mes mains. Combien ça coûte pour le monde d'emploi? Je n'y vois goutte, et c'est bien mon destin. Que l'on fasse ce que l'on dise, peut-on éviter les méprises? Mener à bien nos entreprises, ceux de faux airs qui se déguisent. On se retrouve un peu cassé, usé, inquiet, déraciné. La vie nous mène comme elle l'entend, elle, elle ne voit pas passer le temps. À force de se consumer, voir nos reflets dans des miroirs, toutes nos envies prennent vie et se teintent de couleurs d'espoir, d'espoir. Mais quelle est la route? Montrez-moi le chemin. Y'a que des doutes tout au bout de mes mains. Combien ça coûte pour le mode d'emploi? Je n'y vois goutte, mais c'est bien mon destin. Quelle est la route? Montrez-moi le chemin. Y'a que des doutes tout au bout de mes mains. Combien ça coûte pour le monde d'emploi? Je n'y vois goutte, mais c'est bien mon destin. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Qu'importe la route, l'important c'est le chemin. Et voilà, quelle est la route? J'espère que ça vous a fait plaisir. En tout cas, c'était pareil pour moi. Alors, je vous ai promis un petit morceau instrumental, juste. Pour certains qui veulent peut-être voir un peu les arpèges, souvent quand je fais justement les accords de Quelle est la route, de refrain, ça fait ça. Je sais pas si vous voyez bien les doigts. Et puis ça vient, à la base, ça vient d'un exercice que j'avais fait il y a très 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 longtemps, où j'apprenais à faire les arpèges, c'est-à-dire ça. Je vais m'amuser à vous le décomposer, ça fait ça. La main droite. Voilà, alors ça pendant des heures, c'était ça, devant ma télévision ou autre chose. Parce que le bouquin, je pouvais pas, il me fallait les deux mains. Mais juste ça. Vous voyez ça? Puis après, on le fait. Puis après, on accélère un peu, ça fait ça.
Et voilà les petits exercices de déliateur pour les doigts. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, pour moi, c'était super. Il fait très très beau à Carcassonne. Toujours du vent. Donc, Carcassonne sans vent, ça n'existe pas. Il y a toujours du vent ici. Et puis, en tout cas, toujours ravi, toujours heureux. Et puis, on essaie de se retrouver demain soir. N'oubliez pas que, du moins pour ceux qui regardent en direct, vous pouvez le partager pour que toutes les personnes qui ne me connaissent pas puissent le voir en différé et être de plus en plus nombreux sur ce direct. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Gros bisous.